Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle série de petits exercices. Aujourd'hui, avec un ballon, on ne va pas jouer au football, on va faire des petits exercices de corps d'eau. Hein. Et n'oubliez pas, il y aura quatre exercices. Et n'oubliez pas, hein, surtout, restez confinés. On regarde le premier exercice. Alors, on va déposer le ballon. Tranquillement, ça va nous servir d'échauffement. On va partir en petits pas sur un côté et on revient en pas chassé. 1, 2, 3, on fait la même chose de l'autre côté. Petit pas et pas chassé. 1, 2, 3, la même chose. Et pas chassé. 1, 2, 3, hop, on revient. Et 1, 2, 3. Il ne faut pas énormément de place. C'est notre premier exercice. Ça sert à se mettre un petit peu en route physiquement. On regarde le second. Second exercice, un exercice de coordination. On va mettre le pied sur le ballon et on va faire des séries de 8. On regarde. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je m'arrête et je suis en équilibre. Deuxième série. 1. Et ainsi de suite. Alors, on met le nombre de répétitions qu'on veut, le nombre de séries que l'on veut. L'idée, c'est que le ballon ne bouge pas et qu'on soit bien coordonné, que le corps soit bien rangé. On regarde le troisième exercice. Alors, le troisième exercice, c'est tout simplement un passement de jambes. Donc, on va se mettre au-dessus du ballon et on va passer les jambes au-dessus du ballon sans le toucher, en essayant de mettre de la vitesse et surtout de la coordination. Vous voyez que le bassin reste bien au-dessus du ballon. C'est pareil, on fait ça à volonté. Et dès qu'on est fatigué, bien sûr, on s'arrête pour récupérer. On regarde le dernier exercice. Alors sur ce dernier exercice, on va partir en petits pas et on va venir faire un demi-squat sur le ballon. On regarde. Et 1. Et 2. Et 3. Et 4. Et 5. Et 6. Et 7. Et 8. Et on s'arrête. Voilà, vous avez de quoi travailler sur ces petits exercices. Bon courage et portez-vous bien.